30 ans. Il y a 30 ans, je faisais quoi? Je me pose bien la question. Alors, il y a 30 ans, je devais me crever des boutons d'acné, je pense. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas pour ça. Bienvenue à toi, petit watcher. On va se faire un nouveau stream de shmup. Et ce shmup est un millésime, effectivement, d'il y a 30 ans. J'adore ce bruit de... Quand les rums sont en train de se tester. Désolé pour le téléphone. D'ailleurs, un grand prix pour qui reconnaîtra la sonnerie, c'est très facile. Et donc, si je peux reprendre ma concentration. Armored formation F. Formation Armored F. Il y a un autre qui a un clone de Xenon. Je vais baisser le son de retour parce que vous allez en prendre plein les oreilles et vous avez déjà le son du jeu qui queen de manière très désagréable, on peut le dire. Et comme vous le voyez, ben oui, des passages étroits qu'il ne faut surtout pas toucher. Je pense qu'on est bien devant un clone de Xenon. Est-il réalisé avec talent? Alors ça, c'est une autre paire de manches, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. 1988, il y a moyen que le truc soit quand même un peu hardcore. Donc là, si j'avais la possibilité d'insérer deux fils 99 crédits, c'est ce que je ne manquerais pas de faire. Touche A, touche B pour renverser les canons. Et donc les passer derrière. Ok, je vais essayer. Je sens que je vais avoir très mal dans ce stream. Pas de tir appuyé, juste mon tir de base. Ok. Surtout ne pas toucher les bords. Sinon, ça va être la fin des haricots. La musique est rigolote quand même, je m'attendais à pire. Alors si j'appuie sur... Oh mais laisse-moi le temps d'appuyer sur B pour changer mes modules de direction. Ah, es-tu punitif au point de me remettre au tout début? Oui! Alors on sent le côté vintage. Bonjour, tu t'es éclaté la tête, c'est pas grave, on va te faire recommencer le début du tableau. Voilà qui va allonger de manière conséquente la durée du jeu. Donc note pour moi-même, bien rester au milieu de l'écran, là où il y a le moins d'obstacles, parce que je sens que ce jeu est barré pour me faire chanter à tue-tête des refrains que la morale réprouverait. Notamment ce morceau que je vais vous interpréter pas plus tard qu'immédiatement. Une fois que j'aurai réussi à taper dans un boss. Et j'ai laissé un bonus. Alors, quand on est équipé, on envoie du gros, ça c'est pas mal. Mais je pense que si c'est pour repartir avec un pistolet à bouchon à une entrée de niveau qui n'est autre qu'un traquenard, la largeur du vaisseau. Oh, la loot box, c'est l'intégralité de la largeur du vaisseau. Quelle honte! Ça a vraiment été repompé sur Xenon. Hein. C'était également le gros défaut qu'il y avait sur Xenon. Le jeu était magnifique avec une PO juste incroyable sur l'Amiga. Et en fait, son gros défaut, c'était. Ce putain de cette putain de hitbox qui était immense par rapport aux performances qu'on vous demandait pour vous faufiler dans tous les décors du jeu. Ouais. On va y arriver. Vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à me faire démonter. Eh mais tu fais super bien l'accent polonais. Yes, je sais. C'est pour ça que je suis un lord écossais, connard. Oh, va ton gueule, jeune homme. Elle, qu'est-ce que ça peut être? Elle comme laser. Ou libellule. Bon, pour l'instant, j'ai toujours pas bougé, mais... Ah, d'accord. Ok. Sympa. Ah oui. Ah oui. Bon, en fait, ce jeu est vachement mieux que ce qu'il annonce. Hein. Ma mamie, hein. Et I'm super bad. C'est quoi ces espèces de crachats roses de très très mauvais goût? Oh, ça a passé là. Quel chipotage. Où c'est que tu m'en mets, mon pépère? You have zero left. Hein. Ouais, je m'en doute. Comme quoi, hein, c'est comme pour tout.
L'emballage souvent cache des choses beaucoup plus intéressantes qu'il n'y paraîtrait. En plus, le jeu a la bienséance de pas trop m'envoyer de monde, contrairement à la fois d'avant, où j'ai eu des attaques par derrière un petit peu nombreuses. On n'aime pas trop les mollards par chez nous. Y a, eux, ils vont gonfler jusqu'au bout, quoi. D'accord, c'est l'algo, genre je te suis pour t'emmerder. Bon, peut-être que sur la durée, la musique risque de devenir un poil lassante. Non, je m'en vais. Je fuis courageusement. Oui, ça se dit tout à fait. On fuit courageusement. Bon, ça devient une technique sensée pour se sortir d'un traquenard. Hey, mais faut pas tirer à bout portant, madame! Bah oui, il y a des gens qui passent, enfin! On se le continue? Ah, mais il n'y a pas de continu! Voilà ma punition! Eh bien, tant pis pour moi. Monsieur K va retourner dormir. Avec une musique de fin parfaitement ridicule. Voilà, beaucoup d'amour. Bah, j'espère que je vous aurais donné envie d'essayer ce très vieux jeu, donc. Plus de 30 ans en arrière. On va pas continuer, ça sert à rien de s'étendre. La durée d'un stream ne fait pas sa qualité. Vous avez vu la tête que ça a. Donc c'est un Xenon-like. Ok. Très kitsch sur les couleurs. Hein. C'est très bariolé, mais qui est très très fourni. Et du coup, permet de s'amuser pas mal. De là, le valider, c'est peut-être un geste que je ne ferai pas. C'est un jeu respectable. Pas forcément à avoir, à moins d'être en mode collectionnite aiguë. Et pas dans les incontournables, ça c'est certain. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous préviens d'avance que le prochain stream ne parlera pas des rayures sur les sucettes. Ciao!